ma tulipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être réponse à ma FAQ. C'est parti! Alors, première question de Jeunesse Tulipe qui me dit: hey, la tulipe la plus belle dans ta collection. Alors, la tulipe la plus belle dans ma collection, c'est celle qui est juste devant vous. Donc, c'est Arza, ma tulipe fournie au Saint-Ouen. Je la trouve juste magnifique. Et après, elle me dit: la tulipe que tu détestes le plus, pourquoi? Alors, j'aime pas la tulipe Classical Queen parce que j'aime pas son make-up, j'aime pas sa wig, j'aime pas son outfit. Enfin, voilà. C'est une tulipe que j'aime pas. Voilà. Ensuite, Morgane Kouderichan me demande: aimes-tu la petite Nanachan? Alors oui, j'aime la petite Nanachan parce que... je l'aime bien. Ensuite, question de Maïchan Pulip qui me demande: quand as-tu connu les pulips taillants, etc. Ça doit être en février dernier parce que je me rappelle plus exactement, ça fait longtemps. Donc, question de Daisy 300 qui me demande: pourquoi tu as choisi les pulips? Alors j'ai choisi les pulips parce que ce sont des poupées que j'aime beaucoup, elles sont très jolies. Je peux faire plein de choses avec. Donc, comme prendre des photos, faire des choses comme ça. Puis j'aime bien parce qu'on peut les customiser, changer leurs cheveux, leur wig, pour ce qu'ils préfèrent, leur corps, leurs yeux, leurs achips. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces poupées. Ensuite, au pays des dalles me dit: alors mes questions, que penses-tu des dalles? Alors les dalles, j'aime bien et j'aime pas trop. Parce qu'il y a des dalles qui sont assez mignonnes, qui sont assez sympas. Et des dalles que je trouve pas très jolies, enfin qui sont pas du tout à mon style, on va dire ça comme ça. Et du coup voilà. La dalle que tu détestes le plus, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la Classical Queen. Pratiques-tu un sport? Oui, je fais de l'équitation. Ensuite, que penses-tu de discuter avec des étrangers bien haut? Alors, des étrangers. voilà, si c'est vraiment des gens que je connais pas, etc., c'est sûr que j'arrive pas à leur parler. Mais si par exemple ce sont, parce que je pense que c'est ça, si c'est par exemple des pulipiennes, des choses comme ça, ça me dérangerait pas. Parce que moi, avec elles, je peux partager des choses que je peux, que je peux pas partager avec mes amis. Parce qu'ils comprennent pas trop ma passion, ils me prennent souvent pour une gamine. Donc ça me fait plaisir de discuter avec des pulipiennes via Angoo, Skype, Snap, comme j'ai mis en description. Voilà, donc j'aime bien le concept, oui, de parler avec des étrangers. j'ai plus à dire des pulipiennes, des choses comme ça, sur ce genre de site. Quel est le futur custo? Les futurs custos de tes dolls, pardon, je paye. Alors, pour la Miss qui est devant vous, je vais sûrement lui changer sa wig. Je dis bien sûrement parce que je sais pas trop si je vais lui changer ou pas. Parce que c'est vrai que quand je touche sa wig vers en bas, elle est très abîmée. Je lui ai déjà coupé. Ah putain, on s'en fout. peut-être une wig, je sais pas. On va voir. Après, pour ma pulipe Anne, je vais lui changer sa wig parce que ça m'énerve. Je vous le montre. Voilà, donc je vais changer sa wig parce que celle-ci m'énerve. Je suis obligée de lui mettre un bonnet parce que sinon sa wig ne tient pas. Donc voilà, je vais changer sa wig, c'est sûr à 100%. Et pour mon talent, je vais aussi lui changer sa wig parce que celle-ci commence à partir ses cheveux. Alors vous avez raté quelque chose. Je me suis assise sur mon lit et Arza, c'est que sa figure. Mais bon, ça va, c'est sur un matelas mou. Donc ouais, pour les futurs couteaux de mes dolls. Et ensuite, elle me demande: quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Voilà pour mes questions. Donc voilà, tout de suite, passer à la prochaine. Alors, Cléo Gigi me demande: tu l'as eu quand ta première pulipe? Donc, je l'ai eu quand ma première pulipe? Je l'ai eu le 19 décembre de l'année dernière. Donc, ça va bientôt faire un an que j'ai Erza qui est juste là. Ensuite, Love and Pulip. Hey, mes questions. Quand as-tu connu les pulipes? En février dernier, je crois. Donc, je l'ai déjà répondu. Aimes-tu les bijoutés? Oui, j'aime bien les bijoutés. Seulement, voilà, je peux pas m'en payer parce que ça coûte un peu cher. Quelle prochaine doll tu voudrais? Alors, j'en voudrais plein. Donc, je vais pas tous vous les dire parce que ce serait trop long sinon. Mais je vais vous dire celle que j'aimerais bien avoir en particulier. Donc j'aimerais bien avoir la Pulip Akemi, Pulip Alice Classical, la noire et la bleue. Et après la RS noire, la Pulip Swing Too, la Pulip Wianina, non, ta musique préférée. Alors ma musique préférée c'est Con de Jane. Voilà. Prochaine question. Alors, petite connarde, comment as-tu connu les pulipes? Par YouTube. Qu'aimes-tu faire avec? Alors, j'aime beaucoup prendre des photos. Photos dans les montages. J'aime bien les customiser. J'aime bien leur faire de nouvelles choses. Question suivante. Question de Happyhour18 qui me demande: comment t'es venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Ça m'est pas venu d'un coup, hein. Je me suis pas dit: oh, tiens, aujourd'hui je fais une chaîne YouTube. Parce que, au départ, je voulais faire une chaîne YouTube, mais...
Donc au début, je voulais faire une chaîne YouTube, mais sur les TikTok. Et j'ai eu un problème avec ma tablette, du coup j'ai dû tout supprimer. Et comme ma chaîne existe encore, et bien j'ai décidé de faire par des techniques. Et on me dit merci pour la pub, donc de rien. Et on termine avec les questions. Avec les questions de... Marion Green qui me demande ta pub favorite. Pour ma pub favorite, c'est je sais pas vous dire le nom. Je vous mettrai en bas, mais voilà. Ton âge, donc j'ai 17 ans. La pub que tu as regretté d'acheter. Alors, je regrettais d'acheter aucune d'idole. Parce que bon, c'est juste la pub Anne que j'ai montré tout à l'heure qui m'énerve. Mais c'est à cause de sa wig. Sinon, non, j'ai regretté aucune de mes idoles. Valou, bravo, tu te sens trop abonné, merci beaucoup. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.